Hello, my name's Gabe Hayos. I'm the Vice President of Tax for the Chartered Professional Accountants of Canada. First, I'd like to thank Brigitte for inviting me to this tax co-op. I've gotten to know Brigitte quite well over the last couple of years. I've got to know her as being a very principled and determined lady, and as evidenced by, you know, the critically acclaimed documentary, The Price is Right, based on her book, and also the vision that she had in trying to create tax co-op. I know the effort that she put into coming up with the vision, and now it's reality, and so congratulations. I have the pleasure of introducing Pascal Saint-Amand. I haven't had the pleasure of meeting Pascal in person, but I certainly have seen many of Pascal's presentations, both in person, on video, and I've read many of his commentary in print. Pascal really needs no introduction. He's been one of the most media-intense persons around over the last few years. The OECD BEPS initiative, Base Erosion and Profit Shifting Initiative, came as a result of the concerns that we've heard this morning about multinational corporations not paying their fair share of tax. I can tell you that there was a fair degree of skepticism about what the BEPS projects could produce in the short time frame of 2 years. And with the conclusion of the October 5th recommendations, I have to say that Pascal and his team have produced in terms of recommendations is truly impressive. I think his focus, the focus of the BEPS recommendations are on some of what we've heard about today. Transparency both for multinational corporations and governments. Greater collaboration is part of the recommendations. Certainly dealing with the asymmetries of the various tax systems around the world and the opportunities that those present. And then finally, dealing with the issue of substance, and while I appreciate that some here have referred to it as luring, I actually think that, this is a debate that continues to have to happen, but I am a significant advocate of the term competition, and I appreciate some have viewed it as negative. I do think that what Pascal and his OECD group are doing is trying to establish fair ground rules, the rules of engagement, the rules of so-called fair competition. What Pascal and his group are doing maybe just a start, but an important start. And really now the proof is in the pudding. We've now had the recommendations. Now the question is what kind of implementation will occur over the next near future. So with that, I'd like to welcome Pascal to do his presentation. Thank you, Pascal. Merci. Merci beaucoup pour ces mots d'introduction et merci pour l'invitation à parler à cette conférence et mes excuses pour ne pas être là physiquement. Je dois avouer que j'ai été frappé par The BEPS Disease, qui est en train de frapper toute l'équipe qui a travaillé sur BEPS. Je ne sais pas si c'est une malédiction comme ceux qui ont ouvert les tombeaux des anciens Égyptiens qui sont tous tombés ensuite. Ou si c'est seulement temporaire, je crois que c'est temporaire, mais j'ai une grosse bronchite et les médecins m'ont interdit d'avion pendant 2 semaines et c'est pour ça que j'ai dû, avec beaucoup de regrets, annuler ce déplacement à Montréal. Donc toutes mes excuses et mes remerciements à Brigitte Alpin pour son invitation, pour son énergie à avoir monté cette conférence que l'OCDE soutient bien volontiers. Car il est très important que dans toutes les régions du monde et au Canada, en particulier aujourd'hui, dans la mesure où vous avez un nouveau gouvernement qui va avoir besoin de développer ses idées et son approche dans le domaine de la fiscalité et de la fiscalité internationale en particulier. Donc c'est très important qu'il y ait ces débats et donc on remercie bien volontiers Brigitte et ses amis pour avoir monté cette réunion. Alors qu'est-ce que je peux vous raconter ? À distance, ce qui n'est pas très facile, j'aime bien regarder autre chose qu'une caméra qui ne me dit pas grand-chose de la salle, donc c'est un peu frustrant, mais qu'est-ce que je peux vous raconter que vous ne connaissiez déjà ? Parce que je sais que l'Assemblée qui est réunie aujourd'hui connaît le sujet, a travaillé sur toutes ces questions, et donc vous savez fondamentalement d'où l'on vient, où l'on est et où l'on va. Alors je vais essayer quand même de vous donner 2-3 éléments et mes excuses pour ceux qui m'ont déjà entendu répéter ces éléments plusieurs fois. Vous pouvez vous mettre sur votre BlackBerry ou sur votre téléphone, je ne vous verrai pas et donc vous avez une bonne excuse pour ce faire.
Peut-être le premier élément, et le film le prix à payer en a été une très bonne illustration, le premier élément, c'est que les sujets de fiscalité internationale, de fiscalité en général, mais de fiscalité internationale en particulier, sont des sujets qui sont devenus hautement politiques. Ils n'auraient jamais cessé, ils n'auraient jamais dû cesser d'être politiques, mais ils sont devenus hautement politiques du fait de la crise financière de 2007-2008. Et c'est grâce à ce profil politique de la fiscalité internationale qu'on a été capable de faire des progrès qui, je crois, sont des progrès extrêmement importants. Il y a deux volets dans la lutte contre ce qu'on appelle les paradis fiscaux. Et j'aime pas beaucoup cette expression, même si elle est en fait assez révélatrice et elle parle à pas mal de gens. Un paradis fiscal, c'est quoi? On ne sait pas trop, il n'y a pas de définition exacte, mais c'est fondamentalement une juridiction où il se passe plein de choses en matière de localisation de profits, en matière de localisation d'actifs, alors qu'il n'y a aucune activité, et bien sûr, dans la mesure où il n'y a aucune fiscalité dans ces juridictions. Et les progrès qui ont été faits pour mettre fin aux paradis fiscaux, pour mettre fin à cette offre financière qui existait, ces progrès ont été, je crois, assez importants au cours des dernières années. Sont-ils suffisants? Sans doute pas, mais il faut, si on met les choses en perspective, je crois qu'il ne faut pas bouder notre plaisir sur les avancées qui ont été faites. Et j'ai parfois un peu de frustration quand j'entends les ONG, et pourtant je soutiens totalement leur action et sans leur campaigning, on n'aurait pas été capable de faire tous les progrès qui ont été faits, mais sur le fait que s'il ne se passe pas tout, si on ne met pas fin à tout, il ne se passe rien. Et je crois que ce tout ou rien, en fait, est assez défaitiste et assez frustrant parce que ce n'est pas vrai. Le monde, il n'est pas fait de tout ou rien. Il est fait de progrès qui sont plus ou moins importants. Et je crois que là, on a affaire à un progrès tellement important qu'on peut parler de changement de paradigme, qu'on peut parler de fin de la récré, comme je l'ai utilisé en français. Je crois que ça sonne bien. Je ne sais pas comment vous pouvez traduire ça en anglais. Mais c'est un peu la fin de la récréation, c'est le changement de paradigme, c'est une nouvelle ère qui commence, où on a un rapport plus équilibré entre les contribuables qui ont besoin d'un environnement qui les sécurise, qui ont besoin d'un environnement où ils ne fassent pas face à de la double imposition, qui ont besoin d'un environnement où les administrations fiscales respectent les règles de droit et ont une relation détendue avec les contribuables, mais aussi de règles qui assurent que les administrations fiscales ont les moyens de mettre fin à des choses qui ne devraient pas se produire. Et là, on dépasse le cadre purement juridique, on rentre dans un domaine de la morale que j'aime pas beaucoup parce que la fiscalité n'est pas un domaine de morale, mais néanmoins, il est clair que lorsque des schémas sont conçus à des fins fiscales, que le schéma fiscal est déconnecté de la réalité économique des affaires, des différentes entreprises, on a un problème. Et on a un problème qui n'est pas légitime et qu'il faut régler. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis le début de cette crise financière? Le premier élément, c'est que le G20 et les pays de l'OCDE, mais le G20 qui, pour la première fois, le 15 novembre 2008, à Washington, a été élevé au niveau des chefs d'État et de gouvernement, le G20 a décidé de prendre des actions top-down, une vraie action politique avec les chefs d'État et de gouvernement qui disent à leurs équipes, voilà, maintenant il faut mettre fin au secret bancaire. On n'a plus à tergiverser, on n'a plus à dire, oui, mais ça va vexer tel ou tel partenaire qui ont un rôle à jouer. C'est juste qu'on ne peut plus avoir un environnement où on met des milliers de milliards de dollars sur la table pour sauver l'industrie financière et permettre à cette industrie financière de vivre sur des niches fiscales comme le secret bancaire. Donc, il faut mettre fin au secret bancaire. L'OCDE est intervenu et je crois qu'aujourd'hui, en plusieurs étapes, ça ne s'est pas fait en une nuit, mais ça a pris 4-5 ans. On a commencé par lister des juridictions, ce qui est un naughty business. C'est difficile à faire. Mais on l'a fait d'une façon, je crois, qui a été reconnue comme équitable dans la mesure où on ne s'est pas limité à des îles des Caraïbes qui souvent sont des boucs émissaires, même s'il y a des raisons pour cela. Mais on a aussi listé la Suisse, le Luxembourg, la Belgique, l'Autriche, qui étaient des pays membres de l'OCDE, ou Singapour et Hong Kong, qui étaient des places financières importantes. Et ce listing a conduit ces juridictions à prendre des engagements. Et aussitôt après,
on a mis en place un mécanisme qui s'appelle le Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements, qui a eu pour objet de s'assurer de la bonne application des engagements qui avaient été pris. Et aujourd'hui, après la seconde couche que l'on a mise en matière d'échange automatique de renseignements, et là, il est vrai qu'on a fait levier sur la législation FATCA américaine, on est dans un environnement où je crois qu'on peut dire que le secret bancaire est mort. C'était une partie très importante de la définition des paradis fiscaux. L'absence de transparence, on ne sait pas qui sont les bénéficiaires effectifs des sociétés, on ne sait pas qui se cache derrière un compte bancaire, on ne sait pas quel est le contenu comptable d'une société offshore, mais aussi l'absence d'échange de renseignements, hein, qui était la règle. Jusqu'en 2008, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais jusqu'en 2008, on avait 40 accords d'échange de renseignements qui étaient au standard, qui prévoyaient l'échange de renseignements à la demande de la part de juridictions à secret bancaire. 40. Aujourd'hui, on ne les compte plus, mais on est au-dessus de 2500 grâce à la Convention multilatérale sur l'échange de renseignements et à tous les accords bilatéraux. Il y a plus de 2000 accords bilatéraux qui ont été signés. Donc, un changement très profond qui est intervenu. Maintenant, et c'est le principal sujet dont je voudrais vous parler, c'est que ce volet qui était le plus évident et le plus facile à traiter, même si c'était compliqué, je pense qu'aucun d'entre nous, dans la salle ou ici, ne pensait voir de son vivant la fin du secret bancaire en Suisse. C'est intervenu. Mais ce sujet qui n'était pas le plus difficile a été suivi d'un autre gros dossier qui a été Base Erosion and Profit Shifting. En bon français, on dit BEPS aussi. Ce dossier a été conduit depuis 2012. Moi, j'ai été nommé directeur au sein de l'OCDE, directeur du Centre de politique et d'administration fiscale en février 2012. Et j'ai aussitôt proposé aux États membres de partager avec le nouveau secrétariat quelles étaient leurs préoccupations. Ils ont tous dit, on est préoccupé par l'érosion des bases fiscales et on est préoccupé par les transferts de bénéfices dans des juridictions où ils ne sont pas taxés. D'ailleurs, au sein de ce groupe, qui est le bureau du comité des affaires fiscales, il y avait même la Suisse, et je me souviens du délégué suisse disant, moi, en tant que directeur général des impôts suisses, un de mes problèmes majeurs, c'est l'érosion des bases fiscales. Donc, c'était vraiment un problème totalement partagé. Et on sentait bien, du fait des médias, du fait des campagnes conduites par les ONG, mais aussi des administrations fiscales qui perdaient un certain nombre de cas devant leur cour fiscale ou leur cour suprême, on sentait qu'il y avait un besoin de traiter cette question. Et c'est pour ça que nous avons proposé au G20, dès le sommet de Los Cabos en juin 2012, de traiter la question de BEPS. Et puis les choses se sont emballées du fait de l'emballement médiatique sur Starbucks, sur Amazon, sur Google et sur quelques autres, dont il était révélé que les niveaux effectifs d'imposition étaient extrêmement bas, et ce n'étaient pas des entreprises qui avaient été impactées par la crise négativement, donc il y avait des profits importants à taxer. Et donc on a vu un emballement, et les ministres des Finances du G20 qui nous ont dit « produisez un rapport très vite ». Vous vous souviendrez du rapport qu'on a produit en février 2013, qui a été suivi d'un plan d'action, et notre plan d'action a consisté à dire « il faut amener tous les pays du monde, au moins commençant par le G20 et l'OCDE, pour avoir un standard global, pour pas juste avoir les pays de l'OCDE tout seuls qui développent des règles. Le monde a changé. C'est un monde maintenant qui est gouverné en quelque sorte par le G20. Je comprends que les pays qui ne sont pas membres du G20 sont un peu frustrés par cela, mais c'est une donnée de fait. Et donc, nous devons prendre en compte cette réalité. Premier aspect. Le second aspect, qui était important aussi, c'est de dire qu'il faut avoir une vision globale des choses. Les administrations fiscales, elles sont frustrées parce qu'elles font face à un certain nombre de schémas. Et nous avions développé depuis une dizaine d'années à l'OCDE un travail avec les inspecteurs des impôts des différents pays qui identifiaient les schémas fiscaux agressifs qui étaient soit illégaux, donc les administrations avaient gagné, soit qui étaient légaux. Mais ces schémas montraient une évasion fiscale légale, mais qui posaient des problèmes en termes de collecte, en termes d'équité vis-à-vis des autres contribuables qui n'avaient pas la possibilité d'utiliser des niches fiscales dues aux déficiences de la fiscalité internationale. Donc, on était informés d'un certain nombre de schémas, et on s'est dit, il ne faut pas traiter schéma par schéma, il ne faut pas mettre fin au double Irish dans un cas particulier ou mettre fin à certains produits hybrides ici ou là. Il faut traiter ces questions de façon globale. Holistique, on dirait en anglais. Il faut le traiter de façon globale parce qu'il nous faut un changement de paradigme de la fiscalité internationale. On s'est
beaucoup focalisé à juste titre sur l'élimination de la double imposition. Mais lorsque cette élimination de la double imposition facilite la double non-imposition, on a un problème de légitimité. Le système fiscal devient illégitime, il devient incompréhensible. Il est impossible d'expliquer à un ministre qu'il faut signer une convention fiscale bilatérale quand, en fait, cette convention va être détournée pour passer par l'île Maurice pour investir en Inde ou par les Pays-Bas pour investir où vous voulez. Et donc, il fallait remettre du sens à quelque chose qui n'en avait plus. Alors, on pourrait s'interroger longuement sur pourquoi les choses avaient cessé d'avoir du sens. Elles avaient cessé d'avoir du sens, je crois, parce que ces règles qui ont été développées au milieu des années 20, au moment de la création, juste après la création de l'impôt sur le revenu, des personnes physiques, de l'impôt sur les sociétés, qui se fait en 1917-1918 dans la plupart des États, aux États-Unis et en Europe, ces règles ont évolué, mais lentement, parce qu'il y avait justement cette perte de pression politique, cette perte d'intérêt politique, et les technocrates qui se réunissaient à Paris pour se mettre d'accord sur des normes n'avaient pas de mandat pour vraiment changer les règles. Ils avaient des mandats pour adapter les règles lentement, sauf que la globalisation est intervenue beaucoup plus vite. À l'OCDE, on croit en la globalisation, on croit dans les vertus de la globalisation. Mais la globalisation ne peut marcher que s'il y a une certaine forme de régulation. Alors je sais que je parle au Canada, en français, et donc je peux utiliser un mot qui serait a four-letter word in the US, regulation, donc on peut dire de la régulation qui était nécessaire, parce que si on n'a plus de frontières pour les investissements, et il y a plein d'avantages à cela, il est resté des frontières d'un point de vue fiscal et des frontières hermétiques, parce que les administrations fiscales n'avaient pas l'habitude d'échanger. Elles n'avaient pas l'habitude de se soutenir les unes les autres. L'histoire du secret bancaire en est une bonne illustration. Un pays pouvait mettre en danger l'assiette de l'impôt de ses partenaires en décidant unilatéralement d'avoir du secret bancaire et de ne pas échanger des renseignements. Mais ça allait au-delà du secret bancaire. Les administrations n'avaient pas l'habitude de se parler et au-delà de ça, les législateurs fiscaux n'avaient pas l'habitude de prendre en compte les effets externes, ou alors ils le faisaient un peu en baissant les bras et en se disant on n'y peut rien et donc tant pis si on perd des contribuables ou si on perd de la matière taxable, c'est ainsi. Et c'est ainsi qu'en fait s'était introduite une compétition fiscale extrêmement agressive de la part de tous les États où tout était permis, y compris le fait d'offrir des régimes à seule fin fiscale qui étaient complètement déconnectés de la réalité économique. Et en bon pragmatique, ce que j'ai essayé de proposer au G20, c'est de revenir à des choses simples qui consistent à dire que la fiscalité doit être une fonction support dans les entreprises, une fonction support de la création de valeur. Et donc, elle doit suivre le réel. Et ce n'est pas l'inverse qui doit se produire. Dans les choses simples, mais fondamentales aussi, il ne faut pas perdre de vue que les États sont souverains d'un point de vue fiscal. Et c'est très bien ainsi. J'ai parfois des inquiétudes quand j'entends certains qui disent « mais il faut harmoniser les impôts, il faut une taxation unitaire mondiale et si on n'a pas ça, on n'a rien. » Parce que ce faisant, on a une vision fiscale peut-être qui est élaborée, qui est sophistiquée, mais qui oublie un fondamental absolument nécessaire, c'est le consentement à l'impôt. Les peuples doivent décider de leurs systèmes fiscaux. Il faut juste qu'on limite les frictions ou les trous entre souverainetés. Et c'est ce qu'essaye de faire BEPS. BEPS n'a pas eu pour objet de dire on va harmoniser globalement la fiscalité ou on va tout changer parce que c'est juste pas possible. Les États sont souverains et ils ne sont pas prêts à renoncer à cette souveraineté. Personne dans un gouvernement n'a la légitimité de venir à Paris, de négocier un changement fondamental qui aura un impact sur le consentement à l'impôt dans son pays, et puis revenu dans son pays, de dire au Parlement ou au peuple ben « merci de signer en bas à droite parce que j'ai décidé ça à Paris ». Et donc vous voyez qu'on a une dimension qui politique et de noble politique qui nécessite que ce qui fait l'objet d'un accord par les gouvernements à Paris par voie consensuelle soit acceptable par les parlements. Et on n'est pas aujourd'hui dans un monde où les peuples, où les parlements sont prêts à renoncer à leur souveraineté fiscale, car la fiscalité est au cœur de la souveraineté. Et donc vous voyez qu'on a là quelque chose de simple, mais qui est une énorme contrainte. Ce ne sont pas des technocrates qui peuvent dessiner un système parfait, qui pourrait être unitary taxation, ou pas d'ailleurs, parce que je pense que dans un système qui serait gouverné par des technocrates avec un gouvernement mondial, ça marcherait peut-être, mais dans un monde réel, vous avez autant d'approches que de pays, ça ne marche pas. Et donc, on a essayé, à la place, d'avoir une approche
pragmatique, mais ambitieuse, et très ambitieuse. Il ne s'agissait pas, une fois de plus, de fermer des schémas ici ou là, mais au contraire, de revoir les fondamentaux pour mettre fin à cette absence de régulation, ou pour mettre en place une sorte de régulation en trois piliers. Vous connaissez les trois piliers du projet BEPS. Le premier pilier, c'est de dire, entre ces souverainetés fiscales, ben en fait, il y a plein de trous, et ces trous sont les paradis fiscaux. Ce sont des juridictions qui ont profité de l'absence de régulation, qui ont profité du fait que ces souverainetés fiscales ne se regardaient pas et s'articulaient mal les unes les autres. Et donc les profits ont alimenté ces paradis fiscaux, ces trous entre les souverainetés, qui sont des juridictions, qui peuvent être des États, en général des petites économies ouvertes. Et je crois qu'on ne peut pas trop les blâmer, même si dans certains cas, il y a manifestement des activités criminelles qui se sont développées. Mais fondamentalement, on ne peut pas les blâmer. Ils ont eu une opportunité qui était due à l'absence d'ambition et à l'absence de coordination des grands États. Et donc, il fallait mettre fin à ça. C'est les actions 2 sur la fin des produits hybrides, l'action 3 sur le développement et le renforcement des dispositifs CFC, Control Foreign Company, société étrangère contrôlée. C'est aussi l'élaboration de nouvelles normes en matière de déduction des intérêts. Et puis, la lutte contre les pratiques fiscales dommageables. Le second grand bloc est relatif à la fixation au règlement des règles existantes, au fait qu'il fallait réparer les règles existantes. Les traités fiscaux bilatéraux sont bilatéraux et ils ne doivent pas être truqués ou contournés par des tiers. Et donc, c'est l'action 6 sur la fin de l'abus des traités. Et puis, l'action 7 sur la définition d'établissement stable pour que l'on n'ait pas des mécanismes comme les commissionnaires ou de la fragmentation d'établissements stables qui conduisent les entreprises à n'avoir aucune présence taxable alors qu'il y a une vraie présence physique qui constitue un établissement stable si on regarde l'ensemble de leurs activités sur un territoire. Et puis ensuite, sur cette seconde catégorie, nous avions les prix de transfert. Je crois que c'est un domaine extrêmement important qui donne lieu à beaucoup de fantasmes. Parfois, j'entends des phrases comme « les prix de transfert, c'est de l'abus ». Non, les prix de transfert, c'est une obligation qui est mise à la charge des entreprises, à l'origine, pour que chaque État puisse taxer ce qui lui revient. Cette obligation à la charge des entreprises, dans les années 20, s'est transformée en une opportunité massive pour que les entreprises optimisent et mettent leurs profits dans des juridictions où il y a juridiquement de la propriété, financièrement des capitaux, mais pratiquement rien du tout. Et donc, il fallait mettre fin à ce phénomène, surtout dans une économie où la création de valeur se fait sur les incorporels qui sont très faciles à passer, à transférer d'une juridiction à une autre. Donc ça, c'était le second pilier, régler les règles existantes avec les contraintes que l'on connaît. Une fois de plus, on nous a accusés de ne pas avoir exploré davantage la unitary taxation. C'est juste que personne n'en veut dans les gouvernements. Il n'y a pas un seul gouvernement qui est venu en disant « je veux ça ». Le Brésil, qui a pourtant une approche très spécifique en matière de prix de transfert, a dit « non, moi je suis pour le principe de pleine concurrence ». Mais pour un principe de pleine concurrence qui ne facilite pas le tax planning et qui ne soit pas un instrument aux mains des avocats fiscalistes ou des armées d'économistes qui sont embauchés, non pas pour analyser les business models, mais pour faire des tax planning autour de la localisation des actifs en matière de prix de transfert. Puis le troisième bloc, c'était la transparence sur l'obligation des montages, la compréhension du phénomène. Quand on a commencé BEPS, j'ai eu plein de réunions avec des représentants du business qui me disaient « mais pourquoi vous lancez BEPS? Il n'y a aucune démonstration qu'il y a un problème. » D'ailleurs, regardez l'impôt sur les sociétés, il n'a pas diminué au cours des 20 dernières années. Au contraire, il est stable ou il augmente lentement. On a démontré avec l'action 11 que le problème était majeur. On est entre plus de 100 milliards et 240 milliards de dollars par an qui s'évaporent du fait de BEPS, donc on est sur un problème majeur, et on a mis en place dans l'action 11 un système de transparence qui va nous permettre d'avoir des indicateurs pour mesurer l'impact des mesures, mais aussi pour mesurer le phénomène de BEPS dans le temps, pour savoir si nos mesures sont adaptées ou pas. Et puis, on a la mesure bien connue du reporting pays par pays. Ce n'est pas public, et je comprends la frustration d'un certain nombre de gens qui disent « ça devrait être public », mais de quoi part-on? De rien, on n'avait rien. Et pour avoir quelque chose, il fallait un accord entre tous les pays, parce qu'on peut dire « yaka », en français, vous connaissez l'expression « yaka faucon ». Ben, « yaka » demander le reporting pays par pays public, mais si vous n'êtes pas paqué, si vous n'avez pas le soutien
du pays dans lequel le quartier général de l'entreprise est situé pour vérifier l'information, vous risquez de n'avoir rien du tout. Et donc, de façon intéressante, les plus petits pays ou les pays en voie de développement étaient les premiers à soutenir l'idée d'un échange de renseignements à condition qu'il fonctionne, et c'est ce qu'on verra, et on fera une évaluation d'ici 2020 sur ce sujet. Enfin, il y avait trois sujets horizontaux. Le sujet de l'économie numérique, majeur. Et là, on a un rapport qui dit on ne peut pas avoir une solution qui est cantonnée à l'économie numérique, parce que l'économie numérique, c'est l'économie dans son ensemble. Premier point. Second point, mais BEPS est exacerbé par la numérisation de l'économie. Donc les mesures BEPS devraient traiter en partie du problème. Mais on n'est pas bien sûr et on va continuer à regarder ça de très près. Donc c'est un peu le contraire de ce qui avait été décidé à Ottawa en 2000, où on avait dit « il n'y a rien de nouveau sous le soleil ». Là, on dit « il y a des choses nouvelles sous le soleil » et on ne sait pas vraiment dans quelle direction ça va. Donc, on va continuer à regarder avec des options qui ont été proposées aux États s'ils veulent prendre des mesures immédiatement. Et puis, on a une mesure transversale sur les procédures amiables. Il ne faut pas perdre de vue qu'il faut un environnement équilibré. Il faut que les administrations fiscales puissent taxer. Il faut mobiliser les ressources nationales, notamment pour les pays en voie de développement, mais il faut maintenir un environnement qui soit favorable aux investissements, et la double imposition tuerait un certain nombre d'investissements et ça serait très mauvais, en particulier pour les petits pays en voie de développement. Donc, il faut faire très attention à ça. Et puis, le dernier volet, c'est on n'aime pas faire des rapports pour qu'ils soient sur des étagères, en tout cas pas moi, et en particulier, j'ai toujours eu en tête quand j'étais au gouvernement français qu'on nous disait on ne peut pas modifier cette partie de la législation parce qu'on a les conventions fiscales et ça va prendre 10 ans à les changer. Mais plutôt que de prendre 10 ans ou 20 ans à changer les 2000 ou 3000 conventions fiscales existantes, ce que l'on a proposé, c'est d'avoir une convention multilatérale qui permet de changer toutes les conventions fiscales bilatérales existantes pour les parties qui seraient intéressées. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je viens de faire le point avec l'équipe, on a 94 pays qui ont pris l'engagement de négocier cette convention multilatérale. Ils n'ont pas pris nécessairement l'engagement de signer, mais ils seront à Paris jeudi et vendredi pour négocier cette convention multilatérale qui changera ipso facto toutes les conventions fiscales bilatérales. Donc voilà un peu le projet. Et je crois que ce projet, si on l'approche d'un point de vue holistique, d'un point de vue global, c'est un vrai changement. Ce n'est pas anecdotique, ce n'est pas comme certains le disent, et je crois que ces critiques sont injustes, un coup de bâton dans l'eau ou de la poudre aux yeux ou un petit début. C'est un vrai changement de paradigme qui va permettre maintenant aux administrations fiscales et aux contribuables de nouer une nouvelle relation qui doit être une relation de confiance. Il y a du travail à faire pour les administrations fiscales. Je crois qu'il y a pas mal de travail à faire pour les contribuables, que la fiscalité va maintenant devoir passer au conseil d'administration, au board. Le reporting pays par pays va être une belle occasion pour les directeurs fiscaux de sensibiliser leur président, leur directeur financier, que faire de la planification fiscale qui est déconnectée de la réalité de l'entreprise, ça a un coût maintenant et ça a un risque important en matière de réputation. Et puis, l'avenir. L'avenir, c'est ce sur quoi on travaille, très dur maintenant, qui est l'application. Tout ceci n'aura de sens que si on a de la bonne implementation. Et donc, on est en train de passer dans la phase de vrai travail. J'ai l'impression que les trois dernières années ont été très, très occupées, mais on va commencer maintenant une nouvelle phase, qui est la phase d'application, qui est une phase où il faut s'assurer qu'on ait de la cohérence dans l'application, où il faut s'assurer que les standards minimaux qui ont fait l'objet d'un engagement de tous les pays du G20, de tous les pays de l'OCDE, on attend beaucoup plus d'engagement sur le standard minimum en matière de pratiques fiscales dommageables, l'échange automatique des rulings, les patent box qui doivent avoir une connexion, mais aussi le standard minimum sur les conventions fiscales ou sur le reporting pays par pays, qu'on ait un monitoring, qu'on ait un suivi et que l'ensemble des pays appliquent avec, bien sûr, le respect de la règle de droit pour toutes les administrations, le respect de la règle de droit pour tous les contribuables. Et donc, il y a un nouveau chantier qui s'ouvre et ce chantier, je m'arrêterai avec ça, il doit être global et il doit être inclusif. C'est pour ça qu'on invitera tous les pays en voie de développement, toutes les juridictions intéressées, à venir sur un pied d'égalité pour l'application de ce nouvel environnement. Et donc voilà, c'est assez excitant d'être dans un moment où les choses ont changé en profondeur et où on a devant nous des beaux chantiers pour s'assurer que les fiscalistes puissent faire leur travail dans un cadre mieux régulé qu'ils ne l'étaient par le passé.